C'est bon, il est coupé. Coupé attaché. Ok. On va essayer comme ça. Alors, faites attention, ouais, parce que. Attendez, ouais, passez par-dessus le câble, frère. Que quand il va se tendre. En fait, le principe, c'est on ouvre régulièrement, on fait des petites ouvertures comme ça pour accéder au lit principal. Mais pour pas trop ouvrir la végétation, etc., on est en gros tous les 50 mètres. On a un treuil de 90 mètres, ce qui nous permet d'avoir l'amplitude en amont, en aval, et de pas trop toucher à la végétation. Donc on ouvre, on cible les embâcles, et ça nous permet de sortir tout le bois mort, tout le bois même vivant qui empêche l'eau de s'écouler en cas de crue, enfin en permanence, et ça nous permet de les évacuer comme ça par débardage. Voilà. Bonjour, Jean-Marc Pignet, je suis le directeur de la protection et la valorisation du cadre de vie à la CAPA. Viens voir une opération en particulier, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il s'agit d'une opération qui entre dans le cadre du plan pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d'eau. Donc c'est la CAPA qui en a la charge. Depuis le 1er janvier 2018, la CAPA a pris la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent ces interventions. Le but final, deux buts. Alors cette intervention a pour principal but de restaurer le fonctionnement normal du cours d'eau. Avec deux sous-objectifs, donc redonner un fonctionnement écologique normal au cours d'eau et lutter contre les inondations.